Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de Donkey Kong Country 2. On avait terminé le premier monde, alors on va emprunter les vols de Funky pour aller dans le deuxième. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ok. Deux pièces. Quoi? Ok. Parce que bien sûr j'ai sauvegardé, j'ai quitté, et je découvre que j'ai perdu toutes mes pièces du coup. Alors c'est sympa. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, deux pièces. Je me souviens qu'on peut en trouver assez facilement. Probablement dans le premier niveau, allez. Ça, c'est vraiment de l'arnaque. J'ai perdu déjà mes vies, mais ça, je m'y attendais. Mais j'ai perdu toutes mes pièces, quoi, alors que j'étais super riche. C'est quand même assez chiant. Voilà, deux pièces, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut quitter le niveau? Start et select, oui. Allons-y. Chaudron du crocodile. Oh là là là. Parcours des têtes brûlées. Allez, c'est parti. Ah, ils sont chiants ceux-là. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Petit secret? Tiens, viens là. Deux vies, cool. Oh là, oui, les gros crocodiles là. Là, il faut santé super haut, je me souviens. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Un boulet de canon. On va supposer qu'il faut le garder pour aller plus loin. Ouais, c'est ça. Logiquement, ça va nous emmener dans un niveau bonus. À vous les étoiles! Allez. C'est bon. Ah oui, la petite araignée là. Vous pouvez construire des plateformes. Oups. En fait, en appuyant sur A, on peut construire des plateformes. En appuyant sur Y, on peut tirer sur les ennemis. Voilà. Comme ça. Et on doit pouvoir diriger aussi le tir, ouais, avec haut et bas. Sympa, je trouve. Là, on a des bananes qui nous indiquent qu'il faut monter. Et voilà, niveau bonus. Trouver le jeton. Pièces.
Allez, terminé pour la petite araignée. Je me souviens plus non plus comment elle s'appelle. La petite danse à chaque fois. Kiosque de Clouba, qu'est-ce que c'est que ce truc déjà? Il est sympa lui. Moi c'est Clouba, bande de terriens. Ça va vous coûter du pognon de traverser ici, et si vous me payez pas, si vous ne payez pas, je vous écraserai comme de misérables moucherons. C'est 15 pièces crème pour traverser. Donc les pièces crème, ça doit être les pièces qu'on a dans les bonus. Et là j'en ai 14. Affrontez-le, ça sert à rien. Ok, donc c'est là qu'on peut dépenser en quelque sorte pièces qu'on trouve dans les bonus. Complainte de canon. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ah ouais, c'est encore un niveau tout en hauteur. Bon. Non, c'est select. Pour changer de perso. Voilà. Ah ouais, les tonneaux individuels là. Pareil, je sais pas s'il faut monter. Non. Décidément, les vieux réflexes. Aïe 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 aïe. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Allez, 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 allez. Oui, c'est bon. Tout juste. Ok. Ça sert à rien, les tonneaux, là-bas. Ok, je suis revenu au début du niveau. Du TNT. Ça peut servir. On va prendre le cas. Non, 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 non. Ah. Servir ce TNT. Ah si, c'est bon, j'ai eu le haut. Oups. Ah, petit raté. On recommence. Les décors sont quand même plutôt réussis. Je veux la pièce. Je veux la pièce. Ah bah c'est quoi ça? Ok, super. Ok, il faut encore monter. C'est l'obsession de ce niveau quoi, c'est monter, monter, monter. Voilà. Ouh là 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 là, ça va pas du tout. Ok. Donc ça c'est de l'arnaque, j'ai plus d'idées.
C'était pas un tonneau bonus là-haut? Si, il faudra revenir dès que j'aurai retrouvé Didi. Si je meurs pas avant. Oh là là. Bien, bien, bien. Où est-ce qu'elle est, la petite, petite abeille là-haut? Ah, j'ai raté un truc là, il y avait une banane. Est-ce que j'ai le droit de redescendre? Oui. Alors, par contre, j'ai pas compris. Ah, d'accord. Où est-ce que je vais? Au secours! Non! Oh là là là. Ouais, y'a de quoi pleurer. C'est là que je vais avoir besoin de Didi. Pas mal. En fait, c'était pas du tout pour avoir le bonus. Mince. Ah, d'accord. J'ai compris. Faut sauter sur les tonneaux. Ça marche pas. On va y aller par au-dessus. Ça marchera mieux. Voilà. Trouver le jeton. Bah alors? Bon, c'est pas grave, on peut réessayer. On va y aller calmement cette fois-ci, hein. Jetons. 17 pièces crème, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ah. Bon, tant pis. Ah, alors là, j'ai raté la pièce des cas. Où est-ce qu'elle pouvait bien être? Tant pis, je continue. Lagon de lave. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il est évident qu'il faut pas trop se baigner. Ah, on a notre ami qui nous refroidit l'eau. Provisoirement, je suppose. Très provisoirement. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans l'eau du départ. Non, y a rien. Rien du tout, rien du tout. Non, non, non. Ah ouais, mais là j'ai foutu. Ha! C'est sympa. C'est pas possible qu'il y ait rien là. Ah bah si, c'est possible. Vite, 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 vite. Voilà. Ouh là 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 là. J'aime
pas à ce niveau. Je suis pas assez rapide en plus. Quelque chose là ? Non. J'ai raté une pièce. Ah bah c'était juste ça. Y'a rien en fait. Ok, continuons. Aïe. Ah, un tonneau d'invincibilité. Ça, ça va être pratique. Voilà. Maintenant, on reste à trouver à quoi ça sert exactement. C'est bien rouge, hein? En fait, ça servait juste à survivre, ça servait pas. Oups. À trouver un passage secret. Pour l'instant, j'ai encore rien trouvé comme niveau bonus là-dedans. Ça commence à m'inquiéter. Comment on va là-haut? Bon, ça se trouve, il n'y a rien en fait. Ok, il faut monter là-haut. Bon, je pense que j'ai tout raté vu que j'ai même pas eu l'espadon. D'accord. Donc il y avait un passage secret. En tout cas, j'aurais eu au moins ça. Ah. Quel succès. Je peux pas réessayer, je peux pas réessayer. Tant pis pour moi. Alors. On va quand même essayer d'arriver au bout sans mourir. Même si on n'aura rien trouvé du tout. Y'a quoi par là-bas? Le G. Ah, j'aurais quand même eu les 4 lettres. Bon bah c'était pas génial, j'ai rien trouvé du tout. Ok, lagon de lave. Alors. Je vais aller pas tarder à sauvegarder et mettre fin à l'épisode. D'abord je vais aller voir ce qu'il y a ici. Quand je lui donne les 15 pièces. Ah ouais, ça nous envoie dans un monde secret avec des niveaux méga durs, si je me souviens bien. Musée du singe? C'est le vieux Cranky. Tiens donc, ce ne serait pas notre petit bleu, je ne pense pas retrouver ici, blablabla. Maintenant que vous êtes là, autant vous briefer. Vous êtes au monde perdu des Kremlings.
Si vous voulez finir ce jeu idiot, vous devez aller là où se trouve la grosse tête de crocodile. Ok, pas de problème. Mais pour y arriver, il faut battre Captain Carol et réussir les niveaux de bonus, ce dont vous êtes probablement incapable, Blanc-Bec. Pourquoi je me décarcasse ainsi? Bon, tant pis. Je vous file des astuces totalement évidentes pour ce monde, vous en aurez sûrement besoin. Ok, donc en fait, on peut lui acheter des astuces. On va quand même essayer ça pour voir ce que c'est, parce que je me souviens plus très bien. Oh là là, oh là là, ça me rappelle que des souvenirs terribles. Les décors sont vraiment vraiment réussis quand même. Ça, c'est le monde perdu, c'est un monde spécial avec que des niveaux encore plus durs, enfin des niveaux spéciaux. Et donc, dans chaque monde normal, je pense qu'il y a un passage vers le monde perdu pour faire un niveau du monde perdu. Et je sais pas à quoi ça sert de les faire, je sais pas si c'est obligatoire. Je pense pas que ce soit vraiment obligatoire vu qu'il faut payer les pièces bonus, les pièces des niveaux bonus pour y accéder. Comme les bonus, quand on n'est pas censé avoir tous les bonus pour finir le jeu, obligatoirement. Ou alors il en faut peut-être juste une partie, ouais, je sais pas. Bon, on verra bien. Je redécouvre le jeu là. Oh là là. C'est pas si terrible que ce que j'avais annoncé. Enfin, il suffit que je dise ça pour me faire toucher, mais bon. D'accord. D'accord. Trop de précipitation. Par contre, j'ai pas encore eu de passage secret, de niveau bonus là-dedans. Ça se trouve, y en a pas. Ça m'étonnerait quand même qu'il y en ait pas. Ah, on est quand même dans Donkey Kong Country. Bon. Ah bah c'est mieux. Ah. Je croyais que j'étais dessus là, mais... Bon, d'accord. Boum. Ah, ouf, j'ai cru que j'avais... Bon, oui, j'ai raté, effectivement. Avec Dixie. C'est là que je suis mort tout à l'heure. Alors, concentrons-nous. Voilà, c'était pas si terrible, hein. Mince. Très bien. Ça ressemble à ce qu'on avait eu un peu plus tôt. Mmh. D'accord. Déjà fini? Bon, je trouvais aucun bonus. C'est super louche. Et moi, j'avais souvenir d'un niveau très dur. C'est peut-être parce que c'était que le premier, alors. Bon, je pense que j'ai raté des choses, quand même. Je pense que j'ai raté des choses. Allez,
On va mettre fin à cet épisode et puis on cherchera plus tard. On reviendra. Le prochain épisode, je me souviens un petit peu, c'est de la lave traversée embrasée avec des espèces de petites montgolfières bleues. Et c'est assez dur. Bon allez, on sauvegarde, ça sera pour la prochaine fois. Ah, Ratli le cobra, donc il s'appelle Ratli le serpent à ressort là. Lettre Kong. Qu'est-ce qu'elle a à me dire sur les lettres Kong? Ramassez les 4 lettres et vous gagnerez 8 supplémentaires. Ouais, sans blague. Plateau de la toile de Squitter. Donc l'araignée qui tire des toiles, elle s'appelle Squitter. Voilà, ça répond à mes questions. Ok, je sauvegarde. En fait, la sauvegarde, c'est gratuit la première fois dans chaque monde. Et les fois suivantes, ça coûte 2 pièces. Voilà. Bah, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et puis, à très bientôt pour l'épisode 3. Salut!